Allez, on va faire le café. Gérant de Golf Car Service, une société spécialisée de location et de maintenance de voiturettes de golf. Vous utilisez le BRT10 de batterie plus depuis 2 ans. Quel est votre retour d'expérience alors? Écoutez, on régénère les batteries de nos véhicules de location tous les ans en préventif pour éviter de rencontrer des problèmes lors des locations. Apparemment, ça fonctionne très bien. Fait aussi du curatif sur les batteries des clients. Et donc vous avez réduit sensiblement vos frais de renouvellement de batterie? Pour nous, oui. Pour les clients, ceux qui veulent passer par le biais de la régénération, forcément on leur propose parce que le coût d'un jeu de batterie n'est pas négligeable. Quoi. Mmh. Voilà. Pour régénérer les batteries, je crois que le premier point c'est de faire les contrôles des niveaux. En premier lieu, et puis de contrôler également la connectique, ça c'est très important. Donc, je répète, on déconnecte le pack batterie du véhicule pour éviter qu'il y ait des courants vagabonds qui remontent dans l'électronique du véhicule et qui l'endommagent. Ensuite, le contrôle du serrage de la connectique, c'est très important. Il y a pas mal de problèmes. Et l'état général de sulfatation, de dégradation des connecteurs. Alors le torquage c'est du 25 Nm, c'est très important aussi, pas endommager les plots qui sont en plomb. Mais le contrôle de la connectique c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Alors il y a un petit test rapide à faire avec un quick tester pour vérifier que tout simplement il n'y ait pas un élément en court-circuit. Donc on le fait batterie par batterie. Une fois qu'on a connecté l'appareil, on appuie sur le bouton. La machine pompe 100 ampères et si l'aiguille ne s'écroule pas, eh bien il n'y a pas de court-circuit. Voilà. Pareil, là c'est bon, on passe à la prochaine. Tout est bon, donc c'est régénérable, il n'y a pas de problème. Alors un paramètre important, c'est les mesures initiales de la densité. Donc on arrive à voir l'état de charge de la batterie, tout simplement. Attention au risque acide, c'est pour ça qu'il faut porter les lunettes, et éventuellement les gants. Marc. Donc c'est important de consigner tous les relevés de densité et de tension. Alors les mesures de tension sont également importantes à prendre. Donc on les fait batterie par batterie, et on commence toujours par le plot positif, c'est-à-dire la batterie numéro 1, c'est la batterie du plot positif, jusqu'à la dernière batterie du plot négatif. Voilà, ça c'est une convention de mesure. Et on consigne tout ça également sur les fiches de régénération. Alors très important, on ne démarre jamais la régénération sans faire les niveaux mini. Alors on va jamais au niveau maxi, tout simplement parce que le process de régénération comme le process de charge va faire monter les niveaux. Donc on se met au niveau mini. Alors ensuite, une fois qu'on a fait tous les contrôles, on vient connecter les pinces du BRT10. Faire direct avec les câbles, ça sent mieux. Parce qu'elles ne tiennent pas bien sur ces ponts. Alors, sur le BRT10, vous avez le choix entre la pince ou les connexions vissées. Donc, selon le type de connecteur, ce sont des plots coniques ou des plots vissés, vous pouvez choisir.
la connexion la plus franche et la mieux adaptée. Alors, les connecteurs, on a une couleur bleue qui est caractéristique des sulfates de cuivre. Donc ça, c'est une couleur qu'il faut savoir détecter pour pouvoir changer le câbleau si nécessaire. Ouais. Alors, une fois que le BRT10 est connecté électriquement, il faut mettre le capteur de température. Et ce capteur qui va arrêter le process au-delà de 50 degrés. On le met essentiellement dans une batterie centrale, disons pour la moins refroidie possible par sécurité. Voilà. Donc là, on a repéré que c'était celle-là. Donc voilà, on a repéré également qu'il y avait une cellule avec une densité faible. Donc on va plutôt privilégier la cellule avec la densité la plus faible qui a le risque le plus grand de chauffer. Alors sur la machine, on a le choix entre plusieurs programmes. Là, on va sélectionner le programme automatique dédié aux batteries de traction de Golfette. Donc là, l'utilisateur a créé ses propres programmes. Ça, c'est un programme de maintenance. Donc on le lance, ça va durer 24 heures. On a juste à régler la tension. Donc là, on est sur les 48 volts et la capacité des batteries. 175. Voilà. Et on démarre. Une fois que la machine est lancée et qu'elle commence à envoyer des pulsations, c'est important de vérifier la tension de chacune des batteries, et au moment des pulsations on voit que cette tension bouge. Alors une fois que les pulsations ont démarré, c'est important de vérifier les tensions au moment des pulsations. Donc on passe de 8 volts à 8 volts 22, de 8 volts 16 à 8 volts 22 par exemple. Pour l'autre, on voit qu'il y a des variations qui sont assez faible et modéré. Ça, c'est très important parce que si on a un court-circuit qu'on n'a pas vu avant, eh bien les variations seront très fortes, et dans ce cas-là, il faut arrêter le process et vérifier qu'il n'y a pas un court-circuit sur la batterie. Alors une fois que le process est bien lancé, on peut également faire quelques contrôles de température par un petit appareil infrarouge. On mesure directement dans l'électrolyte de chaque cellule pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème particulier. On peut également prendre des mesures un peu plus larges, avec un faisceau plus large, pour vérifier que les connecteurs ne chauffent pas. Alors bien sûr, lorsque le connecteur chauffe, ça signifie qu'on a un problème de serrage et qu'il faut corriger. Donc là, on a fait toutes nos mesures, tous nos contrôles, les connecteurs sont corrects, la machine est lancée pour 24 heures. On peut aller faire autre chose. Allez-y. Donc on va juste contrôler les densités et les tensions pour vérifier que le process s'est bien déroulé. Donc en fin de régénération, on contrôle les densités, et les densités pour ce type de batterie doivent se situer autour des 1,28 ou 1,30 maximum. Donc la déconnexion, on enlève d'abord le capteur de courant, attention à l'acide.
Ensuite, on déconnecte la machine. En fin de process, et seulement en fin de process, on peut faire les niveaux au maxi, si nécessaire bien sûr. Et on le fait uniquement à la fin du process, pour éviter les débordements chroniques qui peuvent nuire à la capacité finale des batteries. Les contrôles sont faits, on remet les bouchons, éventuellement on reconnecte le remplissage centralisé si nécessaire, comme c'est le cas ici. Enfin, on reconnecte la voiturette aux batteries, ou plutôt les batteries au véhicule. Et c'est parti.